Aujourd'hui c'est pec épaule, j'ai 1 heure pour envoyer, je suis KO, je viens directement après le taf. J'ai vraiment envie de me faire mal, vraiment envie de faire une bonne séance. Donc je vais envoyer fort, être concentré, c'est de mettre des charges. Même si que je suis KO, mais j'essaie de m'épuiser avec l'énergie que je peux. Parce que c'est important. En tout cas, cette séance s'annonce lourde. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Nous on va envoyer. On va commencer par des élévations latérales tranquillement, en léger, avant d'envoyer de la double contraction, toujours en élévation latérale. Allez, c'est parti. Échauffement, j'ai pris les 8 kilos, je vais prendre les 6. Mais c'était prise. Je vais essayer d'envoyer 20 reps, mais contrôlé en prenant mon temps pour faire le mouvement. Comme ça, je vais être focus vite. On y va. Buste penché en avant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, très bien. J'espère qu'on m'entend mieux avec le son. J'ai mis le micro un peu plus haut. Parce qu'avec les vêtements, parfois, je fais quelques frottements, quelques trucs bizarres. Et je vois si les artefacts bizarres que j'entends. Et je n'entends que quand c'est sur mes vêtements ou quand je mets en haut, c'est bon, on m'entend mieux, on m'entend de manière clean. C'est un petit test. Mais bon, avant, je faisais ça et je pense que je continue à le faire. Je pense. Oh. J'ai encore envoyé 20 reps. Histoire d'être bien, d'être chaud vite, parce que là, 21h50, j'ai jusqu'à 22h50 à peu près. Parce que je pars pas à 23h pile. Donc ça me fait 1 heure. Il faut que j'envoie vite. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Très bien. Oh. On va rester sur les 8 kilos cette fois-ci. Et je vais faire la double contraction. C'est-à-dire, je vais faire une demi-rep. Je m'arrête à là. Et une rep complète, ça va faire une, ça va faire hop, hop. C'est qu'on a déjà fait depuis longtemps. C'est que je réexplique, mais j'aime bien réexpliquer. On sait jamais, si t'es nouveau, tu ne connais pas sur la chaîne. Tu viens, tu veux des explications, tu veux des séances au moins. J'explique à chaque fois et c'est bien. Et même si t'as un confirmé, bah, ça fait des rappels. Tu vois, ça fait des rappels et c'est toujours bon les rappels. C'est important. Comme ça, quand tu vas t'entraîner, tu auras les réflexes de ce que je fais. Et ça, c'est bien. Je vais me poser un peu, prendre ma gourde là, changer d'angle de caméra un peu pour être mieux, et on repart. Ok, c'est parti. On va faire 3 séries pour faire ça vite. Je vais tomber ma gourde. 3 séries de 10 reps. C'est parti. 1, 2, 3. 4, allez, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, ok, parfait, 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 on est bien. Je vais prendre un temps de repos assez court pour les premières séries et prendre un temps de repos plus long quand je vais en mettre l'eau. Là, je te dis la vérité, si j'arrive à mettre 50 kilos en développé couché, c'est que vraiment, je suis un sourd, tu vois, parce que aujourd'hui, j'ai passé une journée de fou. Le taf, c'était compliqué. On a couru partout. Mais on vient quand même là. Et là, c'est le deuxième taf, là. Toujours avoir plusieurs tafs. Allez. On y va. Oh. C'est parti, deuxième.
Une. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. Allez. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ok. Parfait. Commence à une congestion. C'est bien. Dors mon haut. C'est les nouveaux MyProtein avec les nouveaux logos. Franchement, c'est cool. Ce haut-là, j'ai le même. Non, si tu me suis, tu sais, j'ai le même avec marqué MP. Et là, c'est celui avec le logo le nouveau logo MyProtein. J'ai le bas aussi, le bec, le logo. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais franchement, il est bien confortable. J'aime beaucoup. Ça fait un flow. On voit que tu es balèze dedans et ça, c'est bien. Et c'est très léger, tu vois. C'est très léger. C'est bien, on est à l'aise dedans, tu vois. Donc, si tu veux mettre le code DAMS pour me soutenir, passez par mon lien en description. Tu mets le code DAMS, tu prends ton ensemble ou ta whey. Et ça donne de la force. C'est le meilleur moyen et c'est le seul moyen de donner de la force avec MyProtein. C'est de mettre mon code en passant par le lien. C'est important. Allez, dernière, fais ça bien. J'ai dit temps de repos rapide. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ok, très bien. Parfait. J'ai déjà des auréoles, c'est incroyable. Après, j'ai fait la route en marchant, tu vois. J'étais focus, concentré. Mais c'est comme ça. On est des hommes, on n'y peut rien. Transpire vite. Je vais faire du développé militaire maintenant. Je sais que j'aime bien le faire à la fin, de base. Mais là, je vais le faire là, au début, avant d'entamer les pecs. Et je verrai, si j'ai pas de douleur, je mettrai un peu de force. Je verrai. Je vais faire une première série avec les 14 kilos, je pense. Et après, on verra pour la suite. Bon, on va entamer le développé militaire. J'ai pris les 14 kilos. Je vais voir. Je vais juste voir le ressenti, voir si j'ai mal, voir si j'ai des douleurs, voir si je peux soulever plus lourd ou pas. C'est une série qui va pas compter. Ça va être une série d'appréhension psychologique. Juste ça. Si je me sens bien, vraiment bien, on verra si on peut taper les 30 kilos et les 40 kilos en développé militaire. C'est des charges très très lourdes qui font mal, mais on va les faire vraiment si on se sent bien. Parce que le plus important, c'est de ne pas se blesser et de continuer à faire des bulk days intéressants. Allez, c'est parti. 14 kilos. On en va correctement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, je peux m'arrêter à 8. Ça va. Ça va, ça va. Je me sens bien. Je vais prendre les 20 kilos. Non, les 25. Voir si à plus de 25 kilos. Et ça va être la première, histoire d'être bien dans le mouvement. Parce que j'ai pas envie de monter trop haut et pas envie de m'approcher trop de 14. Parce que 20 kilos, pour moi, ça va être un peu comme 14. Donc 25, 26, à partir de là, on sera bien. Et je pense qu'on va faire 4 séries pour le développé militaire. 4 séries, être bien. Temps de repos, on sera dans les 1-32 minutes. Bon, là, j'ai pris les 28 kilos. Il n'y avait pas de... Enfin, les 26 sont utilisés, les 24 sont utilisés, les 22 ils sont utilisés, 28 kilos. J'espère que ça va pas faire trop haut pour ce qu'on a fait, tu vois. Mais on va essayer. Et aussi, je le fais parce que j'ai confiance, tu vois. J'ai confiance. J'ai une appréhension, mais j'ai confiance. C'est pas les 34, c'est pas les 40, c'est pas les 38. C'est ça va, c'est 28. On s'est quand même échauffé avant.
Normalement, ça devrait passer. Peut-être avec difficulté, mais ça devrait passer. On va essayer de faire ça bien. Balancer 8 reps, toujours. Et se reposer. Là, c'est officiellement la première. Allez. On y va. Là, tout est dans le coup de genou quand tu fais ce mouvement-là. Tout est dans le coup de genou. Faut pas prendre des haltères, les soulever. Parce que là, ils soulèvent, hop, ils mettent sur leurs épaules. Non. Tu donnes un bon coup de genou, une bonne impulsion. Comme quand tu fais les pecs. C'est hop, hop. Ok. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 6, 7, 8, ok. Par contre, il y a un problème que j'ai dans ce mouvement, c'est que je me cambre énormément. Je me cambre beaucoup. Je me cambre beaucoup. En fait, je suis pas assez colo. Bon, je vais me cambrer pour pouvoir soulever. Et ça, faut que je travaille dessus, tu vois. Soit en baissant le banc un peu plus et en m'inclinant vraiment pour faire le mouvement, soit en me forçant de bien me mettre en arrière et bien appuyer avec mon dos pour faire le mouvement. Mais ça, c'est des micro-mouvements, des micro-gestes à travailler séance par séance. Le développé militaire, c'est pas un mouvement que je fais souvent, tu vois. Donc à chaque fois, c'est comme si que je rapprenais le mouvement pour que je le fais, tu vois. Même si que je peux mettre lourd, j'ai de la force, j'ai déjà bossé, mais comme voilà, je fais tout le temps, il y a quelques erreurs qui se répètent. Du coup, là, on a réussi les 28, c'est bien passé. Première, on va mettre les 34, ouais, 34 kilos, 34, c'est bien, 34 kilos pour le deuxième. Troisième, quatrième, on verra. Ok? Mais 28, 34, c'est bien. 34 kilos. Ça va faire mal. On est là pour faire une bonne séance. On est là pour se faire mal. On est là pour se faire mal. Et on va valider. Une répétition. Parfait. On reste dans la prise de masse. 8 reps, c'est bien. Mais on valide. Parce que c'est important. Le plus important, c'est de valider. Là, c'est la combien, là? C'est la deuxième que je fais? Ouais, je crois que c'est la deuxième. Échauffement. 28. Ouais, c'est la deuxième. Allez. Allez, c'est rien. C'est rien. 34, c'est lourd. Mais tu connais. Tu les connais. Allez. Ouais. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. 8. Pareil. Je cambre. Pas bon. C'est pas bon. En fait, c'est quand je mets le coup de genou, je cambre. Je suis pas bien assis au fond. Ça m'énerve. À chaque fois, je sens que je suis cambré. Je sens que je suis pas bien à l'aise. Et je suis persuadé que si j'étais bien, tu vois, bien au fond, bien, je pourrais soulever plus lourd et être mieux. Ceci étant dit, on les a validés. On a eu la facilité. Je prends les 40. 40 kilos développé militaire. Après un bon petit repos parce que c'est important. D'ailleurs, j'espère que vous êtes contents. Hein. J'ai fait des vidéos sur la sécurité. Beaucoup de personnes voulaient des vidéos sur la sécurité. J'ai fait des vidéos sur la sécurité. J'ai fait 4 vidéos.
Là, je laisse une petite semaine ou deux, on verra. Je prends toutes les questions que j'ai par rapport aux vidéos sur la sécu et je fais une grosse FAQ. Comme ça, on sera tranquille, on sera bien. Et je verrai si par la suite, je continue à faire des vidéos sur la sécu ou pas. Parce que la sécu, tu fais vite le tour, tu vois. Je peux dire plein de choses, plein de termes. Mais pour aller à l'essentiel, on fait très vite le tour, tu vois. Et ma réelle passion, c'est la musculation, c'est pas la sécu. Donc, la sécu, c'est juste pour vous, concrètement. Pour vous, pour faire plaisir, pour vous donner des informations. Après, j'aime en parler aussi, tu vois, mais bon, on va dire la même chose sur la sécu. Je peux le faire avec le sport, mais avec la sécu, c'est relou. Mais bon, il y a les vidéos, il y a des trucs, il y a des concepts. C'est bien. Et le reste, on verra avec les questions que vous allez poser et la FAQ que je vais faire. Parce que beaucoup de projets arrivent seulement avec un commentaire d'une vidéo et ça, faut en être conscient. 40. 40 kilos. 40. Troisième. En vrai, je verrai, hein, parce que j'ai dit 4. Ça peut être ma dernière. Je verrai. Je me mets bien au fond du banc. Au fond du banc. Je me mets bien au fond du banc. Suis bien au fond du banc. Ah. Par contre, faut que j'approche un peu les haltères pour mettre un bon coup de genou. Mais ouais, je suis bien, bien au fond. Et on va envoyer. Normalement, c'est pas si dur que ça, comment? C'est pas si dur que ça. Allez. On y va. Je suis quand même cambré, quand même. Mais je vais m'arrêter là. Puis mon épaule l'a craqué un peu. Mais rien de grave. Ça a juste craqué sans moi. Sans aucune raison. Ça m'a pas fait de douleur, ça m'a rien fait. Mais j'ai pu valider 8 reps. Avec difficulté quand même. Il faut en être conscient, il faut le dire. Il y a eu de la difficulté. On va rester à 3 finalement. On est bien. Et on va passer au pec maintenant. Allez. Je prends mon énergie gel tranquillement. Tu rappelles, hein, je te montre là. Énergie gel. My protein. On va faire les pecs. Les 40 kilos, je ne les ai pas rangés, je les ai gardés là au cas où. Si je les prends, je vais prendre une charge intermédiaire, style 20 kilos ou un peu plus de 20 kilos. Et on va commencer par la double contraction. Pour les pecs. Double contraction. Pour beaucoup de muscles, c'est très très bien de les faire. Surtout quand tu as du mal à les ressentir. Tu vois, il y en a qui ont du mal à ressentir leur pec, leurs biceps et leur dos et tout. Essaye de la double contraction. Essaye, juste essaye, tu verras. C'est incroyable. Et on va faire 10 reps. Moi, double contraction, j'aime bien faire soit 8 répétitions, soit 10 répétitions. Parce qu'en fait, c'est comme si tes reps étaient doublés. Okay? Tu peux pas faire 20 reps en double contraction. 40, ça va faire 40 répétitions. C'est mort. Une demi-rep, une rep complète. Et en plus, si tu fais plus de 10 répétitions en double contraction, c'est que vraiment la charge est très légère. Ça sert à rien et tu bosses plus en hypertrophie. Tu bosses vraiment en endurance musculaire. Tu rigoles, tu vois. Tu fais du cardio, tu fais pas de la musculation. Ok, donc, il faut vraiment que tu adaptes tes charges. Pour que ta double contraction, il faut que tu souffres. Pas que tu souffres trop comme une série lourde, mais il faut que tu souffres
quand même. Faut que quand tu arrives à la fin, bah tu es content d'arriver à la fin, ok? C'est important. J'ai incliné le banc légèrement pour cet exercice-là. Normalement, la situation devrait être bonne. 22 kilos. On va envoyer 10 reps. C'est parti. Ouf. Allez. Ah. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ok. Ça va. Ça va, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Là, comme là, on est à la recherche de la sensation ultime. On va faire 10 demi-reps et 10 reps complètes. C'est un peu comme la double contraction en termes de ressenti, sauf que là, le ressenti, ben, tu l'auras à la fin, clairement. Tu vois, quand tu fais 10 demi-reps, t'es là, tu te dis, ouais, ça va, tranquille. Tu sens un peu tes pecs ou pas, mais sans plus. Mais quand après, t'as fini les 10 demi-reps et tu fais les 10 reps complètes, là, c'est incroyable. Tes pecs sont étirés dans tout le mouvement. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Franchement, j'aime, j'aime. Donc là, on se repose tranquillement. Et on va envoyer ça. Ça va être les deux séries, on va dire, de préchauffement pour bien envoyer les pecs derrière. Parce que là, je viens d'avoir un ressenti, mais j'ai envie d'avoir mal surtout. Parce que c'est important. Allons, on envoie. Toujours pareil, pour incliner. J'ai incliné à 1%, enfin je sais pas c'est combien de degrés, mais j'ai mis le premier degré d'inclinaison. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok, complète. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10. Ok, parfait. Parfait. Parfait, parfait. Là, on va tout de suite prendre les 40 tranquillement. Et faire nos séries de haut plié couché. On va essayer de faire un rest-pause de 1 seconde pour voir si je le digère bien. Et puis c'est parti. On repart dans 1 minute 30. Je sais pas si je pourrais prendre les 50 aujourd'hui. Mais un reste pause à 40, je peux le faire. Je peux le faire. J'ai dit 1 seconde, mais on va compter 2 secondes. C'est mieux. Essaye de faire 10 répétitions. Mais si je fais 8, c'est bien et c'est excellent. Pour ma fatigue, c'est excellent. 40 kilos, c'est lourd, c'est très lourd. Allez. Allez. J'ai remis le banc droit pour avoir un ressenti vraiment sur la partie basse des pecs. C'est mieux. On y va. Une, deux, deux, une, deux, trois, une, deux, quatre, une, deux, cinq, une, deux, six, une, deux, sept, allez, une, deux, huit, une, deux, neuf, une, deux, 10. Oh. Ça tue. Ça tue. Ça fait mal. Je vois des étoiles. Ça fait longtemps, ça m'était pas arrivé. Très longtemps.
Et je vais prendre les 50 et faire des séries normales. Cette fois-ci. Maintenant, tu vois. Même là, mes bras, ils sont rêvés. C'est une dinguerie. Je mets un peu de technique. Mes bras sont réveillés. J'ai envie de te dire, est-ce que je reste pas à 40 en faisant du rest-pause? Je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. En fait, c'est beaucoup plus intelligent de rester sur du 40. Faire du rest-pause de 2 secondes que prendre les 50 et bourriner. Parce que là, je t'explique, mon corps, il a envie de soulever lourd. Il a envie d'envoyer. Mais je me fais tout autant mal en faisant du rest-pause avec les 40 que prendre lourd et bourriner. Et je travaille intelligemment parce qu'il y a plus de technique. Le mouvement, il est plus contrôlé. Il y a moins de chances de blessure, tu vois. Nous, on va rester sur les 40 et ça fait mal. Et je sais que les 50, ça va me faire moins mal que ça. Dans le sens où, quand il n'y a pas de tempo, il n'y a rien chez mes séries, ça va. Alors que là, la sixième, je l'ai senti. La sixième, dans la tête, je me dis, je sais pas si ça va passer ou pas. Ça va être dur. Mais vas-y, je vais rester comme ça. Ça, mon corps, elle a chaud, là. Vas-y, je vais rester comme ça. 40 kilos, reste pause, 2 secondes, 8 ou 10 répétitions. Mais on va se forcer à aller à 10. Et on fait 3 séries pour être bien. Allez, comment? Je sais pas combien d'ex je vais faire pour cette séance. Mais faut que je m'arrache. C'est important. Allez. Valide. 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 Fais ça bien. Parce que c'est important. Allez. Une. Une. Deux. Deux. Une. Deux. Trois. Une. Deux. Quatre. Une. Deux. Cinq. Une. Deux. Six. Allez. Une. Deux. Sept. Une. Deux. 8. 8. Je pouvais pas aller à 10. Je pouvais pas. Je pouvais vraiment pas. 8, c'était l'échec. J'ai même pas fini à la 9e. Comme je fais beaucoup de séries, j'ai pas envie de me forcer à aller à l'échec. Tu vois, parce que j'ai peur de me blesser et je préfère écouter ma tête, les limites de ma tête, que les limites de mon corps. Surtout quand c'est du lourd. Quand c'est du léger à l'échec, d'accord. Quand c'est du lourd, je préfère ma tête décider. Parce que si je laisse mon corps décider pour du lourd, avec mon ego, je peux me blesser, je me connais. J'ai des bulldogs à faire. On a dit 100 épisodes. On va faire les 100 épisodes. On va se les faire. On n'est pas encore à 20, mais on arrive à 20. Enfin, je sais pas si on est à 20 ou pas. Mais on va se les faire quand même. Parce que c'est important. Dernière. Allez, 8 ou 10 reps. Même si que, vu comment j'ai mal tout à l'heure, je pense fortement que on va aller à 8 aussi. Mais j'ai pas envie d'aller à 8. Ça qui m'énerve. J'ai pas envie, mais je sens qu'on va aller à 8 quand même. Et je veux qu'on aille à 10 au moins. À 10. À 10. Allez. Carrément, je les sens plus lourds que tout à l'heure. En vrai, je sais même pas si je vais rassumer 50. Je sais même pas. Allez. Oh. Fais ça bien. Fais ça bien. Fais ça bien. Tu
les envoie. Je les envoie. Tu sais où tu veux aller. Tu sais. C'est bon, j'ai les 10. 1, 2, 5. 1, 2, 6. Allez. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. C'était le maximal. C'était le maximum que je pouvais faire. 9. Putain, en plus j'étais persuadé d'avoir les 10. J'étais persuadé de les avoir. J'ai senti au moins que c'était bon. Là tu vois là, c'est à ça que ça ressemble quand je mets la limite de mon corps. C'est à ça que ça ressemble. Et je trouve ça très dangereux de poser ces haltères comme ça, comme je l'ai fait. J'ai pas le choix, du coup je posais comme ça. Mais je trouve ça dangereux parce que c'est en les lâchant comme ça que je peux te blesser bêtement. Tu fais un faux mouvement, un faux truc, tu peux te blesser. Heureusement, j'ai rien. Mais. Ouais, je vais écouter mon corps. Oh. Oh, j'ai mal. En plus, mes triceps, ils ont congestionné vite parce que je pense qu'ils ont pris un peu dans le mouvement. Mais j'ai mal. Oh. Allez, c'est pas fini. Ouh, c'est pas fini. Bon, là, il commence à être tard. J'ai un mauvais timing. J'ai encore un peu de force, mais. Il est 46, tu vois. Je vais faire la dernière exo. J'ai le seum, mais bon, c'est pas grave. Élévation frontale avec halter, 14 kg, unilatérale. On va balancer 3 fois 8 répétitions avec un temps de repos de 20 secondes. Ok. Donc, ça va faire mal, ça va piquer. Mais on va envoyer de la bonne façon et se faire mal. Les 20 secondes là, je vais les sentir. Comme ça, après, on pourra rentrer tranquillement. Ah, ça va être une petite séance, bulk day. Une petite, mais au moins, on sera fait du bien quand même. Sans que je rentre en marchant, tu vois. Mais on sera fait du bien quand même. Allez. On va essayer de rester droit. Et faire un mouvement droit. Et propre, avec 14 kilos. On y va. Une. Cinq, six, sept, huit, allez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, deuxième, 1, allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je crois que j'ai compté de 10, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez, 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6,
7, 8. Ok. Bon. Le bulk est fini. J'aurais aimé rajouter quelques exercices pec. Encore plus, mais bon, des exercices pec. C'est bien. Hein. C'est bien aussi. Oh. On a bien fait les épaules. Par contre, je suis content. Et puis, malgré la fatigue d'aujourd'hui, j'ai pu tenir. En tout cas, moi, j'ai rangé mes affaires, je vais rentrer, je vais me reposer, je vais manger. J'espère que t'as pu aimer cette vidéo. C'est le cas, mets un j'aime, un commentaire, c'est important. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour un nouveau Bulk Day.